Elles ont choisi Alain Souchon dans Foule Sentimentale. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, tonnerre d'applaudissements pour les graines de chanteurs. Chanteur, vous allez avoir à donner votre avis, Marco et Marc, pardon, Lavoine et Anthony Cavana. Graine de chanteur, oui, deux chanteuses tout à l'heure, et forcément un troisième, il y en a quatre, il faudra les départager comme nos graines d'imitateurs tout à l'heure, et ce sera à vous de le faire ici, public adoré. Cela dit, vous allez les découvrir, oui, regardez, le troisième qui arrive tout de suite. Ah, il est angoissé, mon Grégory, regardez, regarde. Qu'est-ce qu'on a pu dire sur toi, qu'est-ce qu'on a filmé? Tu te demandes, hein? Eh bien, regardez. Femme, 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 fais-nous langoureux. Du spécial et du larme aux yeux. Grégory a toujours chanté. Elle a toujours aimé chanter, mais c'est véritablement, ça fait un an qu'il a vraiment une passion débordante pour ça. La chanson, ça passe avant tout. Ça passe même avant l'école. C'est tellement fort, j'ai envie de vivre de ça, quoi. Je sais qu'il y a du talent, ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous l'ont dit. Et c'est surtout quelqu'un de très, très déterminé dans ce qu'il veut faire, dans ce qu'il fait. Dans tout ce que j'entreprends, je suis obligée de réussir. Obligée. Sinon, c'est une défaite. Moi, quelque part, j'aimerais bien quand même qu'ils se prennent une valise, comme on dit entre guillemets, pour qu'ils puissent aussi relativiser les choses et s'apercevoir que tout n'est pas si facile que ça, malgré le travail quand même qu'ils fournissent pour en arriver là. Si jamais j'arrive à faire une carrière, je resterai humble et je continuerai à vivre ma vie autrement de toute façon. Enfin, normalement. Et prospère youpla, 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 boum. Grégory, graine de chanteur numéro 3 dans ce Graine de Star Junior. Il a choisi pour nous ce soir un titre de Daniel Balavoine, le chanteur.
Grégory. Avec le chanteur de Daniel Balavoine. Viens Greg. Marc Lavoine, Anthony Cavana, Marco. Voilà. Ah bah ouais, attends, bouge pas. Greg, quel âge t'as ? 16 ans. 16 ans, d'accord. Déjà. Déjà, ouais, t'es le plus âgé, ce que je disais tout à l'heure. T'es vieux, toi, dans la bande, c'est dingue, il y a 16 ans. Élie sera là, il fera... Oh là là, terrible. Dis donc, t'es champion de France, mais de quoi ? De chant, là, je viens de le voir, mais je sais que tu... T'as été champion de France ou tu l'es encore ? Ouais, de rock, ouais, en 97. Ah ouais ? Ouais, bah, c'est super aussi, ça m'a procuré une grande émotion aussi. Et... De rock en danse, tu veux dire ? Tu dansais ouais, du rock ouais. Et t'étais champion de France ? Ouais, champion de France, avec le Mambo Rock, que je salue. Pas mal. T'étais jeune à l'époque, t'avais 13 ans, quoi. Ouais, 13 ans. Oh, t'étais encore un gamin, forcément, ouais, je suis bête aussi, normal. Mais non, le mec, t'es un vieux routier maintenant. Ouais. T'as un vieux routier. Génération virtuelle, l'habitude, je crois, le fait, tu sais, derrière moi. Ce par la bouche, je la suivrai, si c'est ta voix. Traverser des mers, je saurais faire. Défier des machines, narguer des lois, les foudres divines, ça m'effraie pas. J'y prends. Bon, je vais être franc, quoi. Je vais... Oui, oui, mais il faut y aller, il faut hésiter, vous pouvez vous exprimer. Ben, je voudrais percer, ouais. Mais bon, pour ça, donc, il faut déjà beaucoup travailler, ça c'est sûr. Puis j'ai de la chance d'avoir de très bonnes connaissances, d'un très bon entourage familial, puis de très bons amis, voilà.